Alors, quels sont les grands enseignements que vous tirez de cette crise du Covid, du confinement, des nouveaux modes de vie personnels, professionnels ? Alors, les plus grandes tendances que l'on voit aujourd'hui, mais il est difficile de dire si elles vont vraiment se réaliser dans les mois ou dans les années à venir, c'est un vrai impact sur le résidentiel, c'est-à-dire beaucoup d'habitants, puisqu'on parle de l'utilisateur final, beaucoup d'habitants ont, pour certains d'entre eux, souffert pendant cette période de confinement et aspirent à avoir plus d'espace, plus d'oxygène, plus d'extérieur. Donc, est-ce que ça va générer un transfert de l'hypercentre-ville vers la périphérie ? Point d'interrogation, c'est mais c'est en tous les cas. Je ne pense pas que ce sera aussi fort que prévu. Ouais. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'on oublie vite, même si on dit le monde de demain, etc., mais on oublie vite. Et deuxièmement, force est de constater que l'économie n'est quand même pas au plus haut, que les emplois sont dans certaines industries et dans certains secteurs menacés, que je ne suis pas sûr que tout le monde prenne le risque d'achat. Les décisions d'achat ne vont pas se déclencher tout de suite.